des sports, quand on est un club de foot, c'est un moment extrêmement important puisqu'on peut échanger sur plein de problématiques qu'on vit au jour le jour. C'est notre ministère de tutelle, donc c'était voilà, très intéressant, mais pas uniquement pour nous, aussi pour la ville, et le département et la région. Recevoir une ministre des sports, c'est toujours très intéressant. Je suis personnellement impliquée pour faire la jonction entre olympisme, paralympisme et sport professionnel, sport amateur, notamment ces sports collectifs qui nous ont fait vibrer à Tokyo. Et c'est important, à 3 ans des Jeux en France, de créer cette dynamique sur nos territoires à cette aventure olympique. Et c'est pour ça que je viens aussi, j'en profite pour visiter le club de l'Estac, le centre de formation, dans lequel on espère aussi voir le plus vite possible aussi des sportifs de haut niveau du territoire venir côtoyer les footballeurs amateurs, les footballeurs professionnels. Parce qu'on a besoin d'unité, on a besoin que tout le monde avance dans la même direction et que tout le monde mutualise les ressources et les richesses du sport français. On a évoqué énormément de sujets. Je pense le sujet du sport en général, mais surtout les supporters, la sécurité dans les stades, l'éducation, et on a pu échanger sur les programmes d'éducation et de formation qu'on avait au club. Et elle a été assez impressionnée par tout le travail qui a été fait, mais aussi tout le travail qui a été fait pendant la période Covid, au niveau à la fois de l'équipe professionnelle, mais aussi au niveau de l'association. Donc c'était très intéressant. Au sortir de la crise, on voit que la responsabilité sociale des clubs et du sport de manière générale doit beaucoup plus être mise en avant, valorisée lorsqu'elle existe, et c'est le cas ici à Troyes, où le club s'est fortement impliqué pendant la crise sanitaire auprès du personnel médical, des hôpitaux, et en même temps en essayant de faire vivre la passion des supporters, des amoureux de football et du club. En tout cas, moi, à mon niveau, j'étais heureuse d'échanger aussi ici avec les chefs des groupes des supporters. On sait qu'aujourd'hui, on connaît malheureusement cette thématique de violence dans les stades. Il faut qu'elle cesse, il faut que ça se termine. Et j'ai rencontré ici un président et un club très investi sur la question, et des dirigeants des groupes des supporters très conscients de cette relation qui doit exister comme elle existe ici à Troyes, entre les clubs, les joueurs et les amoureux de football. On fait partie du monde sportif et on essaie de mettre notre pierre à l'édifice, et je pense que rencontrer la ministre, ça nous a permis d'échanger de manière très libre et très ouverte. Donc c'était voilà, c'est plus qu'une vitrine, c'est participer au développement du sport, donc on est fiers au niveau de l'Estac.